Good morgen, allez, Iden et Susro, aujourd'hui les Lounish, Matri Sharon, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, Dan, Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, les une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions, Maseret, Yuma, Peri, Dalet, Mishna, Gimel. Shrato, de Kibel, Bamizraket, Damo, Unetano, Lemi, Shehu, Memares, Bo, Ala, Rove, Derevi, Isheba, Echal, Kedei, Shelo, Ikosh. Natal, Machta, Veala, Le Roche, Amisbeach, Ufina, Gechalim, Eilach, Veilach, Vechote, Minameo, Kalot, Hapnimiot, Veyarad, Veinicha. À la Roved Sheba Azara. On continue à avancer dans les vedotes de Yom Kippour. Depuis maintenant, la Misha précédente, on avait vu que le Kohen Gadol, c'est-à-dire, je commence un petit peu plus en arrière, il était, première chose, il a fait un premier vidouille sur son part. Il s'est repenti en demandant pardon, pour ses fautes personnelles et celles de sa femme. Après, il est parti tirer au sort les deux Seirim. Après, il est revenu sur son part, sur son taureau. Il a fait un deuxième vidouille. Une deuxième fois, il va se repentir. Confesser ses fautes, cette fois-ci pour pardonner ses fautes à lui et celles du Ham Israël. Il a fini, maintenant il va commencer à faire la shrita du par. Il va commencer à l'égorger. De manière générale, je vous explique, il va y avoir, on va tracer peut-être trois couloirs, trois voies, il va travailler sur trois domaines, sur trois fronts. Il y a son par, le taureau du Kohen Gadol, avec lequel il explique les fautes de tous les Kohanim. Il va y avoir le Sahir, le bouc qui est l'Hachem, où il va expier avec lui les fautes du Ham Israël. Il va devoir asperger chaque sang d'une certaine manière. Il y aura tout un rituel, il y aura en tout 43 aspersions qu'il va faire dans tout l'avodat de Yom Kippour avec ce sang. Et à part ça, il y a l'avodat de la Ktoret. D'accord? À part ça, il va falloir prendre de l'encens et l'amener à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim pour l'asperger. C'est-à-dire de manière. Donc il va en fait, finalement, il va rentrer trois fois dans le Kodesh HaKodeshim. Une première fois avec le sang du par, il va l'asperger dedans. Après, avec la ktorette, avec le sang du saïr, du bouc, il va l'asperger, il va en faire entrer, il va entrer ensuite avec la ktorette, l'encens, et il va la laisser brûler à l'intérieur. Bien sûr, avec les deux sangs du saïr et du par, il va ensuite, quand il sera dans le echal, il va l'asperger selon certains rituels, sur la parochette, puis après il va les mélanger pour le mettre sur le misbéach. Et voilà, donc en fait, d'accord, pour ne pas vous perdre, il y a l'avoda du par, l'avoda du saïr et l'avoda de l'actorite. Et il va un petit peu les entremêler. Il commence maintenant, il a fini la deuxième fois pour la deuxième fois le vidouille sur son par, sur son taureau. Il a fait la deuxième fois le vidouille, il s'est repenti ses fautes. Shrato, il égorge maintenant son par, il lui fait la shrita. Vekibel ba mizrak et damo, il réceptionne dans le mizrak le sang. Entre parenthèses, le Tosot Yom Tov nous dit que là aussi, il fait la shrita sur la majorité des simanés, mais il y a un autre Kohen qui vient, qui continue la shrita pour l'achever totalement, le temps que lui, il va chercher un mizrak, il récupère, il réceptionne le sang. Donc, Kibel ma mizrak et damo, il réceptionne dans le mizrak, dans un ustensile spécifique, son sang. C'était un ustensile où il n'y avait pas de fond, il était en pointe. Comme ça, on ne pouvait pas le poser par terre, comme ce qu'on va voir tout de suite. Netano ou Netano le Michou Memares, bon, il le donnait ensuite, il appelait un Kohen, qui allait garder ce sang et qui allait être mémaré, s'il allait le secouer pour ne pas que le sang coagule, il devait rester liquide. Or, il va avoir plein de choses à faire en route. Donc pour le sang qui ne coagule pas, il va le remuer. Et ce Kohen-là se tenait à la roved arevi'i chez Ba'echal. Alors, c'est traduit d'abord littéralement, sur la quatrième rangée du Echal. Plus précisément, c'est pas qu'il est entré dans le Echal, le Kohen qui gardait avec ce sang qu'il ne secouait, mais on est entre le Oulam et le Misbéach. Le Oulam, c'est-à-dire j'entre vers le Marav, et là-bas le Oulam, parce que par là on va entrer le préau pour entrer dans le Kodesh HaKodeshim. Entre ça et le Misbéach, il y a 11 amas. Il y avait des rangées de pierres de marbre par terre. Alors la quatrième rangée en partant du Echal, c'est ça ce que dit Aroved Arevi Shebechal, la quatrième rangée en sortant du Echal vers le Misbéach, la quatrième rangée, là-bas se tenait le Kohen et il remuait le sang. D'accord? Pourquoi? Qu'il y ait des chalots croches pour qu'il ne coagule pas, qu'il ne se durcisse pas, donc qu'il ne coagule pas. Ensuite, maintenant on le laisse. Et le Kohen, il va commencer maintenant à travailler avec l'encens. Natal Marta. Il saisit maintenant une Marta, une pelle. Ve'ala le Roche Amisbeach. Et il monte avec cette pelle sur le Roche Amisbeach à la tête du Misbeach. Là-bas, il y avait plusieurs bûchers. On parlera des bûchers exactement duquel. Upina Gechalim Elach Velach. Il repoussait les Gechalim, les charbons, les. D'accord, les Gechalim. Il n'y a pas le terme, c'est. D'accord, les charbons. Il va les pousser de ci et de là. Parce qu'en fait, il ne veut pas prendre les extérieurs, les externes, qui sont déjà trop cendres, ils ont déjà refroidi. Il doit prendre des chaudes, mais pas des brûlantes. Parce que s'il va prendre des brûlantes, ça va faire trop de fumée quand il va poser l'encens. Donc il faut prendre des
des braises, c'était bon. Il va prendre des braises qui sont chaudes, mais pas rouges. Donc ce qu'on appelle des me'oukalot. Au final, il poussait les braises de ci et de là, celles qui étaient plus externes, donc plus refroidies. Et il prenait celles qui étaient encore bien chaudes. Ouais, l'achtot, c'est ramasser des braises, ça s'appelle l'achtot. Il ramassait des braises à pnimiyot, celles qui étaient à l'intérieur. Et ensuite, Veyarad, il redescendait. Vehinicha ala roveda revi'i sheba azara. Et il l'a déposé sur la quatrième rangée depuis l'azara. C'est-à-dire, il est toujours dans le même espace entre le misbéach et le echal. Mais cette fois-ci, il va compter quatre rangées en partant du misbéach. Donc, c'est les quatre en direction de l'azara. Et il compte quatre rangées et il pose là-bas par terre la marta. Le misrak où il y avait le sang, il fallait le donner dans la main de Cohen parce qu'il fallait le secouer. La pelle, il la pose par terre pour le moment, elle ne va pas refroidir, il n'y avait pas lieu de la tiser. Il la laisse comme ça poser pour le moment. Et puis, du coup, tout ça c'est en vue de continuer ensuite le reste d'Avodot pour ensuite prendre son sang, hein, ça laisse mélanger. Le problème c'est que de nouveau, on va faire une petite bifurcation sur les deux, trois prochaines Mishnayot, comme ça fait grand dans les Mishnayot, on va préciser... En fait, dans la prochaine mission, on va commencer à donner des précisions sur la pelle spécifique de Yom Kippour, à la différence des autres pelles qu'on utilisait tous les ans. Et du coup, on va se mettre à parler des différences qu'il y avait entre Yom Kippour et les autres jours sur d'autres domaines de nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.